il est le parfait homonyme de son glorieux aîné. Ils ont d'ailleurs les mêmes racines familiales, le même village et le même goût pour le chant. Mais là s'arrête la comparaison entre les deux Charles Rauque. Celui que nous accueillons aujourd'hui est étonnant à plus d'un titre. Ne dit-on pas que le propre des passions est de contredire les vocations? La preuve, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Charles. On va pas aller par là. Tenez, venez. Okay, on se compte déjà. On commence par ici. La vie que vous allez nous raconter. Alors. Par là. D'accord. Venez, commencez là. Ah, ça, c'est mon père, dans toute sa tenue d'adjudant-chef de la coloniale. Hein, on voit bien. Et il était jeune, il était beau, il savait se faire obéir, surtout. Comment il s'appelait, votre papa? Johan Sant, Jean Toussaint. En 1945, il stoppe tout. Il stoppe tout, alors qu'il aurait pu continuer. Il était d'ailleurs promu presque sous-lieutenant. Ouais. Et on lui a dit qu'on l'envoyait aux Antilles, mais à l'époque, c'était l'Indochine. Il a dit là, je crois plutôt qu'il m'envoyait en Indochine. Donc j'arrête, et depuis, c'était la fin de la guerre, c'était un peu le cirque. Hein, disons. Et il y avait une loi de dégagement des cadres qui avait été mise en place pour permettre aux gens qui voulaient partir de partir tout de suite avec les avantages d'une retraite à peu près correcte. Il en fait 15 ans, lui. Hein. 15 ans. Et il rentre au village, en fait. Hein. Il rentre à Rouge. Ah, il rentre à Rouge, et puis il s'occupe, il refait sa vie comme celle qu'il avait appris auprès de ses vieux, de ses parents et tout, le village. Donc, c'était important pour votre papa, effectivement, le respect des vieux, des anciens. Ah, c'était essentiel. C'est vrai. Lui, c'était le... Il ne fallait pas dévier de ça, il ne fallait pas manquer de respect aux anciens. Les anciens, c'était sacré, il fallait les écouter parce qu'ils détenaient la sagesse et tout. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, c'était comme ça. C'était les traditions qui se perpétuaient comme ça de génération en génération. Donc, il fallait écouter les vieux. Nous, on a été élevés à l'imitation. On imitait tout ce qui se passait. Ce que faisait mon père, ce que faisait ma mère, etc. Ah oui. Il ne disait pas un mot. Mon père n'avait pas besoin de parler, il suffisait d'un regard, un seul regard, il savait ce qu'il voulait dire. Entre-temps, il a rencontré elle. Ah oui, il a rencontré, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Hein. Magnifiques, qui c'est? Ah, ils sont extraordinaires. Ils étaient tout jeunes, ça c'est le jour de leur mariage. Voilà. Avec qui il se marie, votre papa? Avec Jeanne Moretti. Angèle Moretti, elle. Oui. Du village aussi de Rouge. Ah, du village, bien évidemment. Elle, femme issue d'une famille de 11 enfants. 11 enfants, oui. C'est si bien que justement, comme il fallait des bras, elle ne va pas à l'école longtemps. Elle n'a que son certificat d'études, en fait, Jeanne. Oui, mais alors, elle avait son certificat d'études, mais alors il fallait voir. Hein. Ouais. Elle en connaissait plus que ceux qui ont le bac aujourd'hui. Ouais. Je peux vous dire que moi, c'est elle qui me faisait des cours de maths le soir, parce que j'étais nul le matin, nul en maths, archi nul. C'est elle qui m'expliquait tout ce que j'avais fait. Ah oui, c'était elle. Et d'ailleurs, c'est elle qui gérait un petit peu la maison, d'ailleurs. Ah, c'est elle qui gérait tout. Elle tenait la maison, c'était elle qui tenait là. Elle était la maîtresse de maison. D'accord. Et vous allez vous retrouver au milieu d'une immense famille. Ah, et on a, là. Ils n'y sont pas tous. Hein. Là, il y en a, mal. Qui y a, là? Alors là, il y a mon père ici. C'est mon père. Ouais. Ma mère qui est à côté. Mon frère Philippe, qui a à peine... Qui est l'aîné? C'est moi l'aîné. C'est vous l'aîné, oui. Moi, je suis là, avec le boîtier de l'appareil photo, d'ailleurs. Et ça, c'est mon arrière-grand-mère. Philippe, vous, bien sûr, Anna Maria, qui va arriver plus tard, ouais. Mais tout le monde chante. Et votre papa, notamment, il a ça, votre papa. Ah, mon père, c'est un chanteur. Il aurait pu faire une carrière de ténor. Mais il a chanté tout le temps. Et vous venez voir comment ça se passait quand ça chantait dans le village. Ça se passait comme ça. Et c'était là. On va écouter. C'est là, regardez. Autonome. Tout le monde chante, c'est la famille, c'est les amis qui chantent. Ça, c'est
tous les chanteurs, donc ça c'est des, tout le monde est parent, là c'est des, c'est tutti parenti. Et avec Charles Rocchi, l'autre Charles Rocchi, vous êtes parent comment? Ah ben l'autre Charles Rocchi, c'était le frère de mon père, demi-frère, mais donc frère de mon père, et il chantait tout le temps avec, ensemble avec ses frères, hein, il chantait, il... Mon grand-père qui jouait du violon, il accompagnait souvent au violon pour chanter i Serenadi. Il chantait les Yamme Rispondi, qui était accompagné parfois avec le violon. Et c'est ce qu'on appelait Agurante. Ou accompagner les Serenadi, c'était Agurante. Ils appelaient ça Agurante. Et c'est dingue ce timbre de voix que vous avez tous. Tout le monde chante bien. Alors, la famille Rouge. On se demande si c'est, si c'est pas l'eau de Rouge qui faisait ça, parce que tout le monde chantait la Rouge. Tout le monde chantait. On a de l'eau partout, des sources. Des sources de magnifiques sources de jouvence, quoi. Il faut croire. Et Pérouse, on chantait, mais on vivait aussi, hein, entre-temps. Et on va voir un petit peu comment ça se passait. Le quotidien, c'était ça. Et Pérouse, il y a une particularité, c'est que Pérouse, la route s'arrête à Pérouse. Et au début, il n'y avait même pas de... Vous n'avez même pas connu la route à Pérouse. Moi, j'ai connu... une époque où il n'y avait pas de route, jusqu'à la route est arrivée en 58. Donc vous viviez en autarcie complète. On vivait en autarcie totale. Vous, longtemps, vous êtes en 46, vous, hein? Moi, je suis né en 46. Donc jusqu'en 58, vous avez connu le village, je disais, en autarcie. Et venez, on va aller voir là-bas. Ouais. On va voir comment ça se passait, justement, en route. Notamment, c'est vous, là, non? Je ne sais pas où je suis exactement. Je sais que je suis derrière les bœufs, mais je ne sais pas où exactement. Le matin... C'était un spectacle extraordinaire. Le matin, c'était au mois de juillet, ça probablement, on partait pieds nus du village, c'était 1 km du village, on partait pieds nus, on arrivait en courant dans la poussière, une poussière, il n'y avait pas de route. Hein. On arrivait là, et puis on tournait tout le temps derrière les bœufs, là, il y avait dans la bouse de vache, comme on dit, pieds nus, avec tous les gens qui s'occupaient de ce travail-là, j'en connais quelques-uns. On a eu une chance extraordinaire, nous, de connaître ce... Le village à cette époque-là, parce que c'était vraiment... Il y avait une solidarité, il y avait les gens s'entraidaient. C'était comme jamais on en a connu après. Après ouais. Dès l'arrivée de la route, ça a été fini. Ah bon? L'arrivée de la route, ça a été fini. La télévision après, on n'en parlons pas. Et donc on a ce paradis, là, regardez, on a ces photos-là. Ça, c'est votre, une photo. C'est votre, là, vous êtes avec votre frère. Là, c'est mon frère Philippe. Exactement. Vous êtes mignon comme tout. Il a 2 ans de moins que moi. Et là, qui on a, là? Alors là, c'est une photo qui date des années 50, en couleur. Quand même assez. Parce que le curé, c'est le curé Paoletti. Bon, là, c'est la fête du 8 septembre. Parce que la fête du 8 septembre, à Rouge, c'était extraordinaire. Tous les gens qui étaient des villages alentours, là, du canton de Saint-Laurent, venaient tous à pied. Ah oui, il n'y avait pas d'eau. Donc, ils venaient à pied, ils restaient 3 jours. Et ça, la fête durait 3 jours. Tant qu'il y avait de quoi manger dans les maisons, ils restaient là. Quand il n'y avait plus rien, ils partaient. Non, mais c'était comme ça. Et vous l'avez dit, vous avez eu la chance de grandir ici et vous avez la malchance, un jour, d'être obligé d'aller à Corté pour aller poursuivre vos études. Ça a été un crève-cœur. Un crève-cœur. C'est Corté qui est à 35 km du village. C'était comme si j'allais à l'autre bout du monde. D'ailleurs, le village, mon horizon, c'était les montagnes autour. Hein. Oui. L'horizon lointain, c'était ça. Le monde, pour moi, se résumait à ça, le monde entier. Ben oui, c'est comme ça. Mais on va voir que le destin va vous appeler vers d'autres horizons encore. Et voilà. On va le voir dans une autre pièce, si vous le voulez bien. D'abord, on va faire une petite halte à Corté. Avec les études, ok? Allez, venez avec moi. Allez Charles, prenez place. Hop. On a fait 35 km. 35. Et on se retrouve. Ah voilà, au lycée de Corté. Donc ça, c'était la classe de première. Vous avez des prédispositions pour le dessin, paraît-il. Absolument. Ouais, vous avez 20 sur 20. Avec un prof de dessin extraordinaire, Jean Sigourani, qui m'a toujours... Et tant et si bien que, après justement votre bac que vous obtenez, eh ben vous voulez faire du dessin, non? C'est ça? Oui, j'ai dit pourquoi pas. C'est lui un peu qui m'avait poussé. Si vous en dites, professeur de dessin, là, il faut préparer le concours d'entrée au lycée Claude Bernard à Paris.
Et donc, mais il fallait préparer le concours. Et le meilleur moyen de préparer le concours, c'était d'aller à Bastia avec le professeur Lorenzi, qui était bien connu. On vous retrouve à Bastia. Voilà, on me retrouve à Bastia. Donc, là, j'étais pion avec deux autres camarades, Marini et Tommy. On allait au lieu d'aller suivre les cours, on allait au Napoléon, passer les après-midi au Napoléon, au bar Napoléon sur la place Saint-Nicolas. Et puis moi, tous les soirs, j'étais au Radaille. Pour chanter. Chanter. Oui. Tous les soirs avec tous les soirs. Scoring. Quasiment. Même lorsque j'avais la surveillance du dortoir. J'avais la nuit surveillé le dortoir à minuit, lorsque tout le monde, les élèves dormaient, je partais et j'allais au Radaille. Du coup, la préparation pour être professeur de dessin, ça passe un petit peu à l'as. Ça passe à l'as. Et on vous dit, on vous met une autre idée en tête. On vous dit, il faut que tu fasses le concours des impôts. Ah oui, ça, c'était un cousin qui était inspecteur des impôts, d'ailleurs, qui venait en vacances tous les étés, et qui me dit, écoute, si tu fais le concours d'inspecteur des impôts. Et puis, le soir. Et le soir. Le soir, c'était le son des guitares. Le soir, c'était le son des guitares à Marseille. Alors, jusqu'au mois de décembre. Ça allait à peu près, je suivais les cours, et puis après le mois de décembre, ça a été fini. Je ne dormais pas, quoi. On chantait toutes les nuits, jusqu'à 5h du matin, et voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe alors, justement, pour qu'on vous retrouve tout à coup, là ? Eh bien, voilà. Il a fallu, avant d'arriver là, c'était quand même, il a fallu s'engager. Je me suis engagé, c'était une vocation que j'avais depuis très longtemps, parce qu'elle m'avait été donnée par... mon père en particulier, mais également tous ces militaires que j'avais connus au village, qui avaient de véritables héros à ce moment-là, qui avaient fait la guerre 14-18. Avant... Parce que là, vous étiez quand même saltimbanque, ça chante tous les soirs, ça fait la fête. Là, dans l'armée aussi. Dans l'armée aussi. Je retrouvais les mêmes... Oui, mais vous ne saviez pas que vous alliez retrouver ça. Qu'est-ce qui vous prend un jour de dire, je vais rejoindre... Parce que mon père, tous ces anciens militaires m'avaient raconté comment ça se passait. Et puis moi, j'avais une passion, j'étais passionné d'histoire, de géographie, je voulais voir un peu... le monde. Et la coloniale, comme on disait, la coloniale, vous... engagez-vous dans la coloniale, vous verrez du pays. Et c'est vrai, effectivement, on a pu voir du pays. Mais, Charles, là, j'insiste, il y a une discipline à laquelle vous n'étiez pas tout à fait préparé, quand même. Ah si, mon père m'avait préparé à la discipline. Hein. Et puis, en plus, il y avait eu les 7 années d'internat. Ah, oui. 7 années d'internat à Corte, c'était bien pire. Que l'armée actuellement. On ne sortait pas. On sortait une fois par semaine en promenade, hein, avec des pions derrière. C'est, la discipline, je l'ai connue d'abord à la maison avec mon père, puis après au lycée. Puis moi, il faut dire que ça me plaisait, la discipline. Et puis, il y avait quand même le chant qui vous plaisait aussi. Parce que pendant que vous êtes à Saint-Cyr, Couette-Quidan, de temps en temps, vous prenez la route et on vous retrouve un jour, je vous assure, on vous retrouve là. Un jour, donc, il y a votre colonel qui regarde la télé. Je sais pas si c'est lui qui a regardé la télé, hein. Quoi qu'il en soit. Je ne connaissais pas, lui, de toute façon. Il y a cette émission qui passe, une spéciale Antoine Etchiosi, c'est ça ? Ah oui, absolument. Hein ? Et vous, qu'est-ce que vous venez faire dans cette histoire ? Eh bien, Antoine Etchiosi avait voulu une paillée d'entrée de jeu dans l'émission. Et donc, j'étais là avec deux autres copains de Paris, là, de Corse, là. Moracchini et l'autre, il s'appelait comment, là, le nom m'échappe un peu. Donc, on a chanté une paillée, là. Et le lendemain, dans la semaine... je suis convoqué par le colonel qui avait reçu un message du général commandant de la 2e région militaire de Lille qui s'étonnait d'avoir vu un tel à la télévision ce jour-là. Bon, et il m'a dit, bon, c'est pas grave. Vous l'avez... Mais quand même. Quand même. Il y avait peut-être quelqu'un qui me suivait particulièrement, donc, qui me connaissait, qui avait pu... Vous allez devenir méfiant suite à cette émission, mais ça ne va pas vous décourager pour autant. Absolument parce que là, pas. C'est en 73-74. Et en 77, pendant une permission, vous êtes à Ajaccio, je crois, et puis il y a un certain Jean-Paul Poletti qui passe, qui vous voit. On se connaissait depuis un moment. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il m'a dit, il y a une chanson, j'ai fait une chanson. Et il n'y a que toi qui peux la chanter. Ah bon ? J'ai dit, pourquoi ? Parce que c'est une chanson. Et dans la foulée, on est allé dans le studio, je ne sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs. Rigourde, non, peut-être ? Peut-être, oui, Rigourde. Hein ? Et j'ai enregistré cette chanson, L'Alta Strada.
D'ailleurs. Ah, tu m'étonnes. À l'époque, survoler tous les sommets de la montagne corse, c'était une merveille. Partait de Ninkurine jusqu'à Valia Orba, Regina et Montagne Corse. Et moi, ces montagnes, c'est ma vie. Combien de prises pour faire ça? Une. Un jeune. Vous avez mis toute votre âme? Ah, j'ai mis tout mon amour pour la montagne. C'était vraiment, ça me prenait les tripes, ça. C'était cette chanson de la montagne corse depuis. Depuis Nicoudine, Ridondo, Montegito, oh, c'est ma passion, ça. La montagne, c'est ma passion. Mais sauf que vous n'en ferez qu'une de chansons. Une seule. Vous n'en ferez plus jamais après, si vous avez dit. Ben oui, parce que bon, mon métier de militaire faisait que bon, je ne pouvais pas être là, mais j'aurais bien chanté une autre chanson, sans problème. Mais vous l'avez dit, il a fallu après faire vraiment, vraiment votre métier à 100%. À 100%, oui, absolument. Et on vous retrouve là. Ah oui, alors là, la première en direction, haut. Direction, allez-y, Djibouti. Non, d'abord Djibouti, là, c'est les deux photos, là. Là, on est à Djibouti, on avait des vieux matériels qui dataient de la guerre 39-40 à Djibouti. Vous arrivez à Djibouti, et il y a encore du matériel de 45, alors que l'armée éthiopienne, déjà, est mieux équipée que l'armée Exactement. Française. Exactement. Alors que les pays alentours, qui étaient des pays hostiles, avec l'arrivée au pouvoir en Éthiopie du Négus Rouge, celui qu'on appelait Mengistu, qui était allié avec les soviétiques à l'époque, qui avait un armement supérieur au nôtre. Et puis on vous retrouve aussi en Centrafrique, non? C'est quoi là-bas? C'est ça? Là-haut, c'est en Centrafrique, avec la tenue de l'armée centrafricaine. Hein. Ce n'est pas l'armée française. J'étais en mission d'assistance technique, mission de coopération. Et là, je m'occupais du contingent de formation de l'armée centrafricaine. Vous allez faire quelques pays comme ça, puis un jour, il a fallu rentrer pour... Mais pour ça. Voilà. C'était là, au bout de la première année à Djibouti, je me suis marié donc avec Charlotte. Du village, elle aussi. Du village, oui. Mais qui habitait Toulon, qui venait tout le temps donc l'été au village. Et puis après, donc vous allez repartir encore en Nouvelle-Calédonie. On va pas faire un petit peu tous les pays que vous allez faire, mais après la Nouvelle-Calédonie, vous allez à nouveau rentrer en France et vous allez rentrer dans ce régiment. Onzième Rama. Et là, il va se passer quelque chose. D'ailleurs, vous êtes un petit peu déçu par cette professionnalisation. Hein, vous... Je ne suis pas déçu par la professionnalisation. Moi, je faisais une idée de la professionnalisation. Je voulais des professionnels. Quoi. Mais vous n'avez pas trop le temps de vraiment vous interroger, parce qu'en 1990, il y a un événement quand même. Il y a l'Irak qui envahit le Koweït, une coalition qui se noue pour... Eh bien, pour attaquer l'Irak, pour libérer le Koweït, la France en fait partie, et la France doit envoyer un contingent. Et il y a le choix du contingent. Et là, vous allez m'expliquer comment ça se passe. Donc, je choisis l'11e Rama, c'est un régiment professionnalisé, parce que Mitterrand avait décidé qu'il n'enverrait pas d'appelés se battre en Irak, parce qu'on ne pouvait pas envoyer des appelés se faire tuer comme ça. Et donc, vous êtes content, vous, qu'on choisisse... Ah, nous, on est heureux. On dit, enfin, on va faire la guerre. Oui. On va faire la guerre. On était fait pour ça. Donc, et là, c'était l'occasion unique. Donc il fallait y participer. On va voir ce que ça va donner quand vous allez traverser la Méditerranée dans une autre pièce. Allez, venez avec moi. Charles, donc, là, on traverse la Méditerranée et on se retrouve ici. Ah, ça, c'est l'arrivée à Yambou du régiment d'artillerie.
de la division d'Aguet. Et on remarque une chose. Les uniformes verts. Tous les véhicules sont camouflés sable, ça, et tous les soldats sont en vert, Centre-Europe. Incroyable, ça. C'est incroyable. Donc vous êtes arrivé justement à cette guerre dans le sable avec des uniformes en vert. Oui, et on le voyait de loin, hein, en vert, dans le sable, c'est l'idéal. Hein. Et donc tout ça pour dire que ça va être vraiment le théâtre de quelques désillusions quand même, cette guerre en Irak. Beaucoup de désillusions, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas, on n'a pas les moyens de notre politique, quoi. Comme disait le général de Gaulle, il nous faut l'armée de nos besoins et non pas l'armée de nos habitudes. Et là, on était dans l'armée de nos habitudes, les habitudes africaines. On partait en Afrique, léger. Mais là, il fallait être lourd. Et ce n'était pas du léger, là. Donc, il fallait de l'artillerie, il fallait du renseignement, il fallait de la logistique. Et on n'avait ni renseignement, ni logistique. Il y a un autre objectif qui va être atteint, justement, et je l'ai matérialisé avec cette photo-là. Vous l'avez très bien, ça. Parce que c'est l'occasion. Alors, il va y avoir la victoire, bien sûr. Les Américains, hein, l'armée française est à la traîne de l'armée américaine, bien sûr. Mais vous voulez intervenir là-dessus parce que la désinformation qu'il va y avoir pendant cette guerre, ça, c'est quelque chose qui vous a... Comme dans toutes les guerres, oui. Et là, c'était les fameux... Bon, les Français dans la guerre. Bon, c'était toujours un peu exagéré, je trouve. Hein. On enjolivait. Et ça, c'est ce qui m'a un peu déplu pendant toute ma carrière. C'était que des choses qui étaient tout à fait simples. C'était le travail normal, était enjolivé, était monté en épingle pour certaines unités. On disait que l'armée irakienne, c'était la, voilà. Je sais pas, comme l'armée du monde. En c'était fait, la quatrième ou la troisième armée du monde. Alors c'était soi-disant qui était... Mais là, nous, on a eu affaire à une division qui était une division de réservistes de l'armée irakienne. Et donc, ils n'avaient pas du tout envie de combattre. Les officiers avaient déserté rapidement. Les sous-officiers, une grande partie d'entre eux. Il ne restait que quelques soldats qui étaient là et qui n'attendaient qu'une chose... C'est que les Occidentaux arrivent pour que se laisser faire prisonnier. Et ensuite, ils mangeaient à leur faim. Parce qu'attention, moi, j'ai vu une chose extraordinaire. Ouais. Ils faisaient du pain avec moitié de la sciure de bois et de la farine. C'était une mixture incroyable. Donc, effectivement, la victoire est au bout. Et vous vous rendez compte, en fréquentant l'armée américaine, que l'armée française a un vrai souci durant cette guerre, c'est qu'elle est aveugle, en fait. Était aveugle. On avait envoyé en Irak une division totalement aveugle. D'ailleurs, il n'y a pas comment qu'il dit. Le général lui-même qui dirigeait la division l'a reconnu. Et donc, justement, il fallait réagir. Et dès 1990, est créé... C'est pas la première insigne, celle-là. Non, mais c'est celle que j'ai trouvée. C'est la plus récente. C'est la plus récente. DRM, oui. Direction du renseignement militaire. Absolument. Vous allez faire une grande partie de votre carrière à la DREP, vous allez vous régaler là. Ah, je me suis régalé parce que moi j'adore ça. J'adore la géographie, j'adore l'histoire, j'adore les peuples, j'adore. C'était une passion toujours renouvelée et jamais assouvie. Et avec la DREP, vous allez travailler et en France, bien sûr. Hein, bien sûr, il y aura un bureau et puis vous allez être appelé aussi à partir. Et une de vos dernières missions, ça va être. Voilà. Alors, ça va être celle-ci. C'était la toute dernière mission, c'était. En Afghanistan, en 2005-2006, j'étais à ce moment-là responsable du... Enfin, pas responsable, j'étais conseiller renseignement du commandement français sur place. Et là aussi, on va insister là-dessus parce que c'est important, hein, et on comprendra pourquoi à la fin de l'émission. Là aussi, quand vous arrivez en Afghanistan, l'armée française a quand même un surnom. C'est ça qui est assez ahurissant. Comment vous appelle ? On n'était pas encore dans l'OTAN. Ouais. Et on était entouré de soldats de l'OTAN, ouais, qui étaient équipés, étaient avec les treillis dernière génération, pixelisés, qui avaient des armements protégés, en particulier des véhicules blindés qui étaient protégés, c'est-à-dire que le tireur qui était sur un véhicule blindé, il n'était pas dans la tourelle, il était en dessous, il était téléopéré. On n'avait pas d'engin avec des tourelles téléopérées comme on les a maintenant. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de morts à cause de ça. On vous appelait les Romano ? Les Romano de l'ISAF. Incroyable. Et là encore, par contre, sur les chaînes d'information continue, on érigeait l'armée française. Et là, c'est pour ça. Et là aussi, en fait, et ce qui est important de dire ça, c'est que finalement, ça fait plus de mal que de bien. Tous ces pseudo-experts qui viennent dire on a fait ça, on a gagné là. Et... Le général de Gaulle disait la vérité, c'est la vérité qui fait avancer les choses. Sans vérité, on n'avance pas. Et à force de cacher la vérité, on ne va pas loin. Et puis un jour, ça a une fin, tout ça. Venez.
Oh. Parce que vous, vous êtes allé loin, justement, dans votre carrière. Vous qui avez commencé trop tard, soi-disant. Oui. Il s'est colonel, quand même. Oui. Là, colonel, avec toutes ces décorations. Sacrée carrière, hein. Oui, là, il y a des belles photos, là. Ça s'arrête en quelle année? 2005 En 2006. 2006. 2006, la retraite, effectivement. Voilà, à Toulon. À Toulon. Ah, là, elle n'est pas terrible. Avec votre femme, votre fils. Oui, hein, oui. Tout le monde a un peu, vous avez pris un petit peu d'âge, hein, bien sûr. Oui, oui. Pourquoi Toulon et pas Rhodes? Pourquoi vous n'êtes pas rentré avec, dans votre village et que vous aimez tant dans votre paradis que perdu? Mon épouse est de Toulon. Et elle est de Toulon, de Rhodes, oui. Oui, elle est de Rhodes, mais comme elle a toujours habité Toulon, ben, on y va souvent. Hein, on y va souvent. Hein. Donc vous habitez Toulon, c'est plus pratique. Et puis c'est pratique, il y a le bateau à côté. Mais vous n'en avez pas fini avec l'armée, parce que l'armée, on l'a bien compris, c'est votre félicité, mais il y a aussi quelque chose en vous qui devait sortir. Absolument. Et on va en parler là. Vous commencez, alors dès 93, hein, vous commencez à noircir ben ça, des feuilles, où vous écrivez justement des constats, solutions proposées, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait faire. Alors, ça, c'était surtout après la guerre du Golfe. Et il fallait tendre vers une armée professionnelle. Mmh. Parce qu'on avait vu qu'avec les appelés, on ne pouvait pas faire... Donc il fallait une armée professionnelle, bien équipée, bien entraînée, etc., capable de rivaliser avec les autres, quoi. Et puis les années passant, vous avez continué d'écrire, et vous avez continué d'écrire, et ça a donné ceci, voilà, qui est sorti il y a 2 ans, « Armée française et politique africaine, contre-vérité et illusion, témoignage d'un ex-officier du renseignement militaire ». Je l'ai lu, ce livre, Charles. Tout ce que vous venez de dire, et même encore plus, vous l'écrivez. Ça vous tenait vraiment à cœur Ça me tenait vraiment à cœur parce que, en plus, il y avait surtout, à chaque fois qu'il y avait un problème, qu'il y avait l'armée française qui intervenait quelque part, c'était toujours le même refrain, les mêmes rengaines sur tous les plateaux de télévision, sur, soi-disant, des experts qui disaient « L'armée française est, là, est une armée qui peut intervenir partout, qui peut être projetée sans problème, etc. » qui était vraiment l'armée... la première armée européenne, etc. Peut-être, mais il lui manquait beaucoup de choses. Et tout ça n'était pas vrai. Et moi, j'ai la vérité chevillée au corps. Et oui, et vous l'avez donc écrit. Et ce livre, est-ce qu'il a dérangé dans le milieu de l'armée ? Je ne sais rien, je ne sais pas, peut-être. Parce qu'il a dû en déranger quelques-uns. La grande muette, là, vous parlez, vous, là. Ben oui, là, je dis tout ce que je pense. Et parce alors ? Que moi, la vérité, c'est quelque chose. Hein. Comme disait le général de Gaulle, toujours lui, mais lui aussi, il disait « Dire le vrai... » quoi qu'il en coûte, et tenir pour un devoir de le dire. C'est un devoir de dire la vérité. Donc vous avez accompli votre devoir en écrivant ça. Voilà, j'ai accompli mon devoir. Allez, venez à côté de moi. C'est la fin de l'émission, Charles. Merci infiniment d'être venu. On a découvert quelqu'un, enfin moi en tout cas, j'ai découvert quelqu'un d'extraordinaire. Toute l'équipe, allez, venez à bien côté sympathique de moi. Et qui met bien les choses. Venez à côté de moi, on fait un petit selfie. Voilà. À bientôt, Charles, à bientôt. Côté de Toulon, de Rhodes, où vous voulez. Hein, il y aura un prochain livre ou pas? Non, c'est comme la chanson, il n'y aura qu'un livre, un chef-d'œuvre, pas plus. Je voudrais, bon, non, je crois que je vais me calmer un peu. Et puis on verra.